tout à l'heure, pour le lieu. C'est une insération. Ça a apporté plein de choses. C'est vrai ? Ah, on a quoi se marrer. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ici votre voyage qui débute avec la pomme de terre Graissel, donc en hommage à la Bretagne. Ici vous retrouvez le yaourt de tomate, pollen de fleurs. Et ici donc la tartelette légumière, haricots et algues. La pomme de terre soufflée, jus d'huître, pomme, le galet de mer à s'enlever avec les doigts. Et donc surtout en une seule bouchée. C'est très bon ça. Bon appétit. Et la petite citron, normale là. Ouais, elle a pas de citron normal en tout cas. On passe. C'est parti, on y va, finition. Okay. Ici un petit coup là. Oui. Ça enchaîne. Let's go. Oui. On lance deux autres. Oui. Let's go. Crevettes crues, poivre citronnel. Donc vous êtes sur toujours une petite mise en bouche avec les crevettes au beurre de micelle. Merci beaucoup. La balade en terre finistérienne, côté légumier marin, d'un crème de chou-fleur, glace parmesan et jus à l'encre de sèche tiédi. Appréciez les saveurs en même temps les cassons de haut en bas et en simultané la feuille de mer. Dans l'esprit du partage, la corbeille de pain réalisée à l'auberge, les deux feuilletés, au sarrasin et aux algues, le pain au lait à la tomate, les plis à la pomme de terre, encre de sèche, crevette grise, nature, et vous aurez le lard et fromage, le beurre de baratte de la ferme de Kéol, abrégé de lait, et le beurre blé noir réalisé maison. C'est pour avoir la langoustine. Ouais, tu la revois là. Merci hein, pour le partage. Tranquille. Deux. T'as de la vidéo ? Ouais, non, mais c'est magnifique. D'ailleurs, on prépare à Trois Royal là. On récupère l'assiette là. Ça vient là. Prends la cuisson là. Prends la cuisson sur la tranche. Pas de soucis. C'est bon, vite. Vas-y vite là. Finition, c'est bon, oseille. Légèrement. Simple. La faire de machin, je vais demander. Betterave. Non, c'est bon comme ça, on y va la finition. On y partait comme ça, vite. Donc on est sur la langoustine du Guilvinec, associée à son crémeux de boudin noir et des pousses d'épinards au gingembre. Et juste ici, vous retrouvez la gavotte à apprécier en même temps pour le côté croustillant. Merci beaucoup. Alors, donc vous êtes sur une déclinaison autour de l'oignon. Vous l'avez en pétales confites au gros sel, purée très légère et en émulsion sur le dessus. Merci beaucoup. Alors, donc ici vous découvrez le homard brioche. Vous débutez par la pince avec le condiment pomme pamplemousse. Vous naviguez vers le corps du homard avec le voile
de tête de cochon pour le côté tripier marin. Et vous terminez juste ici par le beignet avec la pâte de citron pour la fraîcheur. Merci beaucoup. Alors, ça sent bon déjà. Merci. Donc ici, vous êtes sur l'œuf sarrasin. Dans l'esprit de cette petite crêpe de sarrasin. Et on vous a versé donc ici à l'Héribou. Merci. Oui. Si je vous le dis. Oui. La barbue, le potager, légumier. Et là, on vous laissera naviguer dans l'assiette comme vous le souhaitez. D'accord. C'est magnifique. Si vous souhaitez vous faire plaisir avec un peu de supplément au niveau de la sauce, vous avez l'eau de tomate montée au beurre juste ici. Bonne dégustation. En Bretagne, vous retrouvez le timanois à l'alcool de noix. C'est dans une petite abbaye dans le Morbihan. Le darlay dans les côtes d'Armor. Tome de vache de Bananec. Le rond cendré. Ici en brebis, vous retrouvez le saveur du maquis en Corse et en Sardaigne. Ensuite, en lait des vaches, vous avez le comté 24 mois. Très joli maroilles, crémeux de Bourgogne, Saint-Nectaire. Et ici en Belgique, avec le herbe qui est frotté à la bière. On vous propose donc 3 pains supplémentaires pour accompagner le fromage. Vous avez celui-ci au blé noir et aux fruits secs. Celui-ci est au cacao, il ira très bien avec les bleus. Et c'est la focaccia, raisin sec, romarin et thym, qui ira très bien avec les chèvres et les brebis. Tu me surprends, j'étais en train de lire un mail. Les graines pour rendre un petit peu croquant et hop, une dentelle, tac. Voilà. Ça tu veux goûter? Ah bon. Ah ouais, tu veux, on te remet la même chose ou tu veux le gros lait? Gros lait, c'est parfait. Voilà. Je suis même pas. C'est bon. Allez, roule. Vas-y. Pourquoi il n'a pas pareil que moi, mais... Alors, parce que vous êtes sur la déclinaison de blé noir. Biscuit vapeur, crème glacée, sabayon, crêpe crase. Casser la structure de haut en bas et apprécier les saveurs ensemble. Le gros lait à la fleur de blé noir. Quelle est la apprécier une première fois et une seconde fois naturelle. Si le goût est trop puissant, le miel de lierre, mais vraiment parcimonie car ça miel sur la puissance. Et pour terminer, la gourmandise avec la gomme de blé noir. Ouais, attends, je finis juste ça, j'arrive. Oui. Ça marche, je vais le scotcher. Voilà.
L'infusion. Parfait. Voilà. C'est bon. Jeune. Il va joli. Donc, le travail de la fraise et la verveine avec cette sphère qu'il faudra casser avec le dos de la cuillère. Donc, mousse verveine et confit de fraise à l'intérieur. Venez en simultané plonger dans le sorbet fraise et terminer avec la gourmandise de la crème fermée et du jus frappé de fruits rouges. Bonne fin de repas. Merci. Voilà. Alors le chef et toute l'équipe se joignent à vous pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire de mariage. Ouais, ça c'est la grande nouvelle. Si on a été, pour toi, ça va se faire, hein. Ouais, c'est important parce que bon là, ce que je disais, on a, le département du Finistère cette année a eu une fréquentation exceptionnelle. Très bien. Donc, mais dans tous les endroits, Crozon-Morgat extraordinaire, Begmey, Begmey Fouenant, Sainte-Marie de Bénodet, le nord du Finistère. Et on a, c'est vrai que par ça, ça va nous amener une fréquentation. Bah, déjà pour l'hôtellerie, ça va nous permettre de monter en. Autrement, t'étais affilié à quoi là? Rien. Ah, c'est bien. J'étais toujours, j'étais toujours dans la ligne tout seul. Non, mais là, voilà. Là, c'est vrai qu'avec ça, ça nous permet voilà, d'avoir d'abord, bien sûr, des gens qui vont venir pour se faire plaisir, d'avoir aussi des connaisseurs, des gens qui vont dormir sur place. Ouais. Il y a quand même un hôtel à amortir, faut pas l'oublier non plus. Enfin, c'est une tranche, là, on a essayé d'aménager à peu près le jardin. Voilà, ouais, je l'ai dit l'année dernière, il faisait plus beau. Cette année, il fait un plus. L'année prochaine, on lance une phase de travaux, mais qui était prévue avant ça. C'est-à-dire qu'on voulait, pour les gens qui viennent passer une nuit, on voulait un lieu où on puisse, je vais pas dire maison détente, mais bah, il y aura spa, jacuzzi, mais adapté à 8 chambres. Faut pas oublier que l'auberge, au départ, c'était une auberge. Alors maintenant, ça ne ressemble plus forcément à une auberge, mais il faut quand même garder un peu cet esprit et pas partir dans quelque chose où on ne maîtrisera plus et on sera dans des trucs où on pensera tous les jours à faire attention, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Évidemment, c'est économique, mais voilà, là, on peut quand même avoir l'esprit, on peut faire la cuisine, on ne pose pas de questions, c'est quand même important. Et déjà, même en ayant fait ça, c'est quand même une phase très lourde. Et, En fait, ouvre le... Oui, tiens, c'est pour toi, ça. Je rigole un peu. Oui, parce qu'il veut rigoler. C'est pour qu'on s'accroche, c'est ça? Non, c'est pour le... Non, j'ai se raccrocher. Ouais. Non, mais on l'avait déjà fait l'année dernière, on s'était raccroché. Est-ce que tu connais farine déjà de champ. Non, farine de champ, non. Alors ça, tu peux faire ça avec des biscuits secs. D'accord. Farine de lin, très bien. Bon, ça, je connais, bien sûr. On connaît la farine, très bien. Ça, c'est le café breton. Ah. Ça peut être intéressant. C'est de l'orge... C'est de l'orge torréfié. Tu connais? Non. Huile de chanvre, très bien. En finition. Ça aussi? Non, mais j'imagine en finition. Je sais pas si c'est très. Ah, c'est un peu torréfié. Ouais, c'est un peu torréfié, je crois. Non? Ça fait un rachid très. Ouais. Ouais, ouais. C'est marrant, ça fait très cacahuète. Ah, c'est super intéressant. Ça fait très. Ouais, c'est ma fille. Tu vois, on connaissait pas celle-ci. Moi, j'en ai, mais pas un peu torréfié. Caméline. Ah oui, c'est particulier ça, tiens. Très élégant. Sans celle-là, c'est vachement particulier, on ne connaît pas du tout. Ah oui, c'est très particulier ça. C'est très fort, ça. C'est spécial ça. C'est ouais, mais. Un peu comme les graines de lin. Sur une petite crème de courgette. C'est des graines un peu comme les fleurs blanches. C'est des fleurs blanches. C'est rigolo ça, c'est riche. Après, je sais pas, mais. Après, c'est fait très légumier. Très ouais. Bon, tu nous exprimais ça parce que nous on a acheté, donc vous savez qu'on l'avait aussi. C'est très très différent, c'est très fin, très subtil ça. Ouais. Ah, Camille, non, ça je connaissais pas. Celle-ci peut-être plus. Chant, bon, ça j'ai dit. Ah, puis ben, bien sûr. Ah, mais non, j'ai Tu connais ce producteur? Non, je connaissais pas. C'est le premier à faire en Bretagne du blé noir décortiqué. Décortiqué. Il est situé où là? Dans le Morbihan? Ben Bretagne, c'est en dessous le en dessous Rennes. D'accord. C'est pas ton quartier. Non, c'est-à-dire que là on travaille avec un de Dinéol. Ouais.
qui a démarré il y a 2 ans, là qui commence à produire depuis 2 ans. Mmh. Qui, alors lui qui est très qui est en bio aussi. Mmh. C'est la ferme du Minéum. Comment il est ce il est parti? Ouais, il est. T'as la cuticule qui est en baie, donc tout il enlève toute l'amertume voilà. Quand tu le torréfies. Voilà. Et toi tu recherches un peu aussi ce côté un peu. Non mais ça. Là on est sur. Effectivement, on est sur. Voilà, tu vas sur le. Tu dis on a enlevé la cuticule, voilà. Donc là tu le torréfies, là tu obtiens. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très. Il y en a très. Mais il n'y en a pas. Parce que, bah non, il n'y en avait pas. Voilà. Bah non. Donc quand tu le torréfies, machin, si tu vas trop vite, t'as une grillée, amertume. Voilà. Donc voilà. Donc très bien, bah, c'est super. Tranquille. Donc là tu peux. Dans la 5 kilos. Voilà, là c'est. Ouais, bah, c'est gentil. T'as amorcé la presse. C'est parfait. C'était 2006. 2006 ouais. On venait d'avoir l'étoile. 2006, je sais plus. Ouais, si, si. 2005, c'est possible, ouais. Mais là, on disait à Olivier, 3 étoiles. Un produit noble, le foie gras, je vais associer avec un petit peu d'araignée qu'on va juste légèrement chauffer mais qu'on va servir fumé. Et je te verse, tu auras un petit bouillon et tu auras un bouillon de très grassouillé de volaille. Voilà. Le foie gras est juste bien là. Je vais chauffer gentiment. Voilà. Le foie gras juste comme il faut. Toujours pareil, un fameux assemblage thermaire. Salade de marine. Salade de marine, je. Voilà. Tac, on met ça en finition. Simplement. Là, c'est bon, on est prêt, là, on passe. Du gras, du gras. La frêle. Voilà. C'est bon. Et on y va, envoyez ou pas. Alors, vous êtes ici sur l'association d'un foie gras tourteau et herbe des falaises. Donc, vous allez apprécier le tourteau avec le foie gras, puis plonger dans la nage pour terminer. Et associer la crêpe crase avec aiguillette de Saint-Pierre, crème de riz fermentée. Là, naviguerez dans l'assiette comme vous le souhaitez. Ici les haricots blancs, tomates à la bretonne. On va terminer sur une note de douceur avec ce gâteau de pommes cuit 12 heures et sorbet sur eau. Donc alterner le gâteau de pommes avec la fraîcheur du sorbet. Dans la vitrine au fond, vous pourrez trouver un riz au lait qui est fait avec nos pâtissiers. On aura également des petits actimels, des yaourts nature ainsi des yaourts aux fruits, de la salade de fruits fraîches faite maison, un petit peu de saumon, également une assiette de charcuterie. Vous trouverez également une ardoise avec un comté, un sainte-maure de Touraine et une fourme d'Ambert. Tout ce qui sera fruits frais ainsi que fruits secs derrière vous. Vous trouverez également du caramel au beurre salé, du miel,
On aura également de la confiture d'abricot faite maison et de la confiture de fraises faite maison également. Si vous trouverez un pain de mie et une brioche, donc à savoir que pour ces deux-là, le chef vous invite à les toaster. C'est meilleur en bouche au niveau des arômes, c'est pas la même chose. On aura ici un 4 quarts ainsi qu'un pain d'épices. Les deux baguettes les plus claires seront des baguettes blanches, les plus foncées seront des baguettes de sarrasin. On aura également des petits croissants et des petits pains au chocolat. Des crêpes avec un petit zeste d'agrumes. Ici, vous trouverez des cakes sarrasin abricot, des cakes aux agrumes et pour terminer, des cakes chocolat banane. Dans le chocolat chaud, vous pourrez trouver donc, ben, forcément du lait. On aura aussi une petite noisette de beurre, de la crème montée. On aura également du chocolat noir à 70%, un petit peu de graines de café, un zeste d'orange, de l'anis étoilé et pour terminer, un petit peu de vanille. Voilà. Merci, Lia.